Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. À l'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Alcabache, vous recevez ce matin le général Francisco Soriano, commandant des forces françaises en Centrafrique pour l'opération Sangaris. Messieurs, c'est à vous. Bonjour général Soriano, merci d'être avec nous en direct de Bangui. Bonjour monsieur Alcabache. Un caporal est mort hier dans un accident de la route dans l'ouest de la Centrafrique alors qu'il était dans un véhicule blindé léger. Mon général, est-ce vraiment un accident de la circulation ? Permettez-moi tout d'abord de saluer la mémoire de notre caporal Damien Doulet qui est décédé tragiquement hier dans une mission de reconnaissance à l'ouest de la Centrafrique près de Boire. Il était en opération dans une mission qui vise à sécuriser les axes et à désarmer les milices qui s'y trouvent. Mes pensées vont à ses parents, à ses proches et aussi à ses frères d'armes du RICM, le régiment d'infanterie char de marine de Poitiers. C'est-à-dire que des soldats peuvent mourir en reconnaissant des routes en Centrafrique ou au Mali ou quand ils sont en opération? Eh bien, ça fait partie effectivement des risques de cette opération, qui est une opération complexe dans ce pays qui connaît plusieurs années de crise et pour lequel eh bien, tout est à reconstruire. Chaque jour, vous-même, vous êtes en opération, vous avez la réputation d'être aux côtés de vos soldats un peu partout. Aujourd'hui, où irez-vous avec vos unités? Dans Bangui, hors de Bangui, que faites-vous? Bien, hier, j'étais en province, j'étais dans l'ouest de la Centrafrique. Aujourd'hui, je verrai mes unités dans Bangui. Elles sécurisent des quartiers, elles procèdent aussi au désarmement, parce qu'on désarme tous les jours. On récupère des armes à feu, aussi beaucoup de munitions. Encore maintenant ? Encore maintenant, plus de dizaines d'armes par jour et surtout des quantités impressionnantes de munitions. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a deux jours, nos forces ont procédé encore à la destruction d'une dizaine de tonnes de munitions. Quand les 350 soldats prévus pour renforcer les 1600 déjà en place seront-ils à l'œuvre, mon général ? Eh bien, certains sont déjà arrivés du Tchad. D'autres également arriveront de Djibouti. Donc ce renforcement est déjà effectif. Alors c'est vous qui aviez demandé ces soldats au ministre Jean-Yves Le Drian, au président de la République, et vous aviez demandé également 50 gendarmes. Vous en avez vraiment besoin et est-ce qu'ils tardent, comme on le dit, à arriver, à vous être envoyés? Ces gendarmes seront indispensables, notamment pour l'action dans Bangui. Dans Bangui, nous avons terminé ce que j'appelle l'action militaire, c'est-à-dire face à des groupes armés, et nous sommes maintenant passés dans des opérations plutôt de police. Et ces gendarmes seront absolument utiles pour pouvoir maintenant travailler avec les gendarmes centrafricains, mais également avec nous. Vous en voulez, vous les attendez. Vous le dites au ministre de l'Intérieur qui doit vous écouter. Voilà, j'ai dit tout l'intérêt que nous aurons à avoir des gendarmes avec nous. Alors là, vous allez être bientôt 2000. La rumeur, c'est que même 2000, c'est insuffisant pour couvrir l'immense territoire de la République centrafricaine. C'est vrai que la Centrafrique est un pays très grand, c'est grand comme la France, plus la Belgique. Il y a de gros besoins de sécurité. Maintenant, notre pays a fait un effort supplémentaire, décidé par le président de la République. Je note que l'Union européenne fait aussi un effort supplémentaire. 500 hommes étaient attendus et en fait, l'Union européenne passera très vraisemblablement à 1000. Et puis, la MISCA, c'est-à-dire la force de l'Union africaine, qui était 3000 soldats il y a deux mois et qui aujourd'hui a un petit peu plus de 6000. Est-ce qu'il y a des risques d'infiltration de terroristes djihadistes si on ne fait pas attention? Pour l'instant, la menace principale, ce sont les milices armées. Il y a beaucoup de milices qu'il faut désarmer. Je note que sur Bangui, nous avons réussi à obtenir le départ des troupes étrangères qui composaient notamment la Seleka. C'est l'effort actuel qui est celui de désarmer toutes les milices qui sont aujourd'hui en Centrafrique. Ce matin, général Soriano, si un de vos officiers vous demande « Mon général, quel est notre ennemi ?» Qu'est-ce que vous lui dites ? Eh bien, c'est toute la complexité de cette mission. Il n'y a pas d'ennemi défini, il y a de nombreux groupes armés qui circulent, il y a de nombreuses milices, certaines se réclament de mouvements politiques, d'autres opèrent pour leur propre compte, et puis il y a toujours eu dans ce pays des coupeurs de route, des bandits de grand chemin qui viennent très souvent dans le sillage de ces milices, profitant de ces 20 années d'absence d'État qu'a connu ce pays, et pour lequel souvent la violence est la seule réponse. Oui, mais alors si ces bandits ou ces coupeurs de tête et de route tirent et qu'ils se trouvent face à l'armée française, qu'est-ce que vous faites, vous qui voulez être impartial ? Si nous sommes pris à partie, il est clair que nous riposterons.
c'est la légitime défense. Nous utiliserons eh bien, notre armement avec une réponse qui là, sera, je dirais, adaptée et proportionnée en fonction de la menace. Général Soriano, la présidente de Centrafrique, Mme Samba Panza, a demandé à la France, aux soldats, de rester jusqu'en 2015. Et vous savez ce qu'on dit, on lit et on entend encore en France ce matin. Pourquoi y être allé seul? Pourquoi y rester? Est-ce qu'on n'est pas dans un piège? Est-ce que ce n'est pas l'enlisement assuré? Non, je pense qu'il n'y a pas d'enlisement. Il faut bien mesurer qu'on ne peut pas résoudre en deux mois d'opération plus de 20 années de crise que connaît ce pays avec un État qui n'a pas répondu aux aspirations de ses concitoyens et tout est à reconstruire. Donc il faut comprendre que remettre la Centrafrique sur les rails, ça prendra du temps. Maintenant, il ne faut pas minimiser tous les progrès qui ont déjà été accomplis dans ces deux mois d'opération. Voilà, la transition politique est une réalité. Les massacres, les meurtres que nous avons connus lorsque nous sommes arrivés ont radicalement baissé. La vie économique reprend, les écoles ont ouvert. On a maintenant la liberté de circulation dans ce pays. Donc les progrès en deux mois d'opération sont plus que réels. On peut concrètement les mesurer. Et quand on dit, ou que vous entendez dire, la Centrafrique sera le Vietnam de la France, qu'est-ce que vous répondez, Général Soriano? Non, je ne pense pas qu'on puisse se permettre de faire ce genre de comparaison. Demain, mardi, à Paris, Général Soriano, les députés auront à voter d'autoriser la prolongation de votre mission de 4 mois supplémentaires, c'est la loi. Vous avez vraiment besoin de ces 4 mois? Oui, très clairement, les progrès effectués ici, en Centrafrique, sont réels. Maintenant, il y a beaucoup à faire dans ce pays. La crise est une très grande complexité et que ce soit les militaires français dont l'efficacité est reconnue comme l'arrivée de soldats de l'Union européenne, comme l'arrivée demandée de soldats de l'opération de maintien de la paix, eh bien, permettra d'accélérer encore le travail qui a été fait, de s'appuyer sur les progrès qui ont été réalisés parce que on ne peut pas résoudre en 3 mois plus de 20 années de crise dans ce pays. Mais vous qui commandez les armées sur place et qui ne tenez pas en place, qui êtes partout, de 4 mois en 4 mois, jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce qu'une opération de maintien de la paix prenne le relais. L'opération de maintien de la paix sera capable de s'appuyer sur les acquis de ce qui aura été fait par l'opération Sangaris. Général Soriano, il y a deux organisations humanitaires qu'on avait peu entendu lors des massacres d'ailleurs, qui parle de nettoyage ethnique en cours. Quelle est la vérité? Il n'y a pas de nettoyage ethnique dans ce pays. Certaines populations, notamment la population musulmane, et ça c'est vrai, subit une forte pression de certaines milices armées. Ces populations, lorsqu'elles sont étrangères, eh bien leur pays ont procédé à l'évacuation de leurs ressortissants. En revanche, les populations musulmanes centrafricaines, il est vrai que certaines subissent la pression, elles ont peur, certaines se sont déplacées dans la Centrafrique, d'autres en revanche sont restées, protégées d'ailleurs par d'autres communautés. Et est-ce que vous voulez dire que quand la sécurité progressera, les peurs diminueront et que ces populations qui se déplacent, surtout les musulmans, reviendront chez elles? C'est ce que je pense, la sécurité ramènera ces populations chez elles. Et en tout cas, moi, c'est ce que me disent les responsables musulmans que j'ai l'occasion de côtoyer à plusieurs reprises, que ce soit à Bangui ou en province. La sécurité revient, vous le disiez, Général Soriano. Le président de la République sera en fin de semaine au Nigeria. Il veut rendre visite à l'armée, à la présidente, au peuple de Centrafrique. Est-ce qu'il sera à vos côtés à Bangui en toute sécurité? Si le président de la République souhaite venir se rendre en Centrafrique, il est évident que sa sécurité sera assurée. Voilà, en avons les moyens. Vous l'attendez. En tout cas, merci, Général Soriano. À la prochaine. Et demain, l'invité de 8h15 sera Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale.